Les Burkinabés sont inconsolables depuis l'attaque meurtrière de Gaz Kindé. Plusieurs militaires tués ce jour-là n'avaient que 20 ou 25 ans. Leur disparition plonge la nation tout entière dans un moment de deuil et de détresse. Nous sommes très tristes par rapport à ce qui s'est passé avec la perte de nos fils et nos petits frères. Nous sommes dans l'insécurité. C'est une grande douleur pour nous d'être témoins de ce crime. Les transporteurs du convoi humanitaire ont également subi des pertes humaines à Gaz Kindé. Ils étaient 10 au total, selon le gouvernement. Nous avons entendu des tirs, nous nous sommes réfugiés sous le véhicule et nous avons réalisé qu'il commençait à prendre feu. Nous n'avons jamais retrouvé beaucoup de nos collègues. Nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus, nous ne pouvons même pas les enterrer correctement. Les conducteurs se sont promis de servir et protéger les populations vulnérables. Pour eux, leur travail est un acte de résistance contre le terrorisme, mais ils ont besoin de sécurité. Nous voulons seulement que les autorités du pays travaillent concrètement avec nous les chauffeurs. Parce que l'axe Gibo et Kungusi Gibo, nous on le pratique avant même que les terroristes n'y arrivent. Le Burkina Faso a déjà perdu 40% de son territoire sous l'influence des terroristes. Les convois humanitaires font régulièrement l'objet d'attaques dans les zones à risque. La semaine dernière, c'est par voie aérienne que les militaires ont pu fournir des ressources alimentaires aux habitants de la ville de Dibo.